Marc, bonjour. Bonjour. Bienvenue aujourd'hui pour les caméras de Drôme Ardèche TV. Pour nous parler de ce livre, ce premier livre que tu avais écrit il y a quelques années, qui s'appelle Le sale boulot, confession d'un flic à la dérive, qui est un livre, poignant, violent et surtout émouvant. Alors on pourrait dire que tu fais partie des gens un peu idéalistes et qui font un métier par vocation, un peu ça quand tu es rentré dans la police. Tout à fait, complètement. Ouais. Un grand idéaliste et je le reste. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, oui. Ouais. Alors tu as grandi à Marseille, dans les quartiers nord. C'est ça. Au sein d'une famille italienne. Et tu vas rentrer donc dans la police en 1992. Oui, la police nationale, ouais, voilà. C'est ça, 1992. Donc tu vas travailler à Paris, dans un premier temps, avant d'être muté donc à Vitrolles. Voilà, comme on disait à l'époque, donc muté en province, donc je rentrais chez moi avec une première affectation dans la banlieue marseillaise, la banlieue ouest de Marseille, une circonscription très difficile, celle de Vitrolles. Donc là, tu rentres à la BAC ? Je suis affecté assez rapidement à la BAC. Ouais. À la BAC, d'accord. Mais par choix ou... C'était évidemment un choix. Alors c'est vrai que pour un jeune flic que j'étais à l'époque, entrer à la BAC, c'est un petit peu une fin en soi et c'est un peu le Graal pour beaucoup de flics. Ça l'était un petit peu pour moi et c'est vrai que le métier est fondamentalement différent de celui que l'on peut faire quand on est en uniforme. Voilà. Donc j'arrivais dans une circonscription excessivement difficile. C'est une cité, une ville dortoir, avec beaucoup de cités, beaucoup de zones industrielles, donc qui généraient des cambriolages très violents. Et donc, avec une possibilité, je travaillais essentiellement la nuit, uniquement la nuit même, avec une délinquance énorme et un travail réel de flic de terrain, voilà. Et comment se passent les premières années, justement, à la BAC, se passe bien, c'est quelque chose. Ouais, très bien au début, et puis petit à petit, je sens une érosion qui est peut-être normale, mais je l'analyse aujourd'hui, qui était due à l'engouement que je mettais dans mon métier et dans cette fonction-là. Mes amis m'appellent ironiquement Monsieur 200%. Je suis pas modéré, donc évidemment, j'étais pas un flic modéré. Quoi. J'étais flic le matin, j'étais flic l'après-midi, la nuit, les jours fériés, le dimanche. J'ai aimé mon métier plus que tout. Voilà. Alors, évidemment, quand on fait les choses sans modération, l'érosion est arrivée peut-être un petit peu plus vite que certains de mes collègues. Donc, petit à petit, je sentais, comme je le dis dans mon livre, dans mon premier livre, je sentais que je glissais inexorablement vers une pente, sur une pente qui allait me conduire où j'en suis arrivé. On va peut-être reprendre justement le titre, le sale boulot. Qu'est-ce que ça veut dire, le sale boulot ? Alors, le sale boulot, ce titre m'est venu spontanément. Le sale boulot, aujourd'hui, être flic, c'est faire le sale boulot. C'est faire un métier excessivement difficile, très ingrat, alors qu'il ne l'était pas encore il y a quelques années, où le flic avait quand même une considération. Il n'a plus aujourd'hui. Non. Le respect de l'uniforme ? Non, plus le respect de la fonction. La fonction ? Oui. Pour des raisons qu'on va certainement évoquer durant l'interview. Malheureusement, aujourd'hui, le flic est dénigré, le métier est de plus en plus compliqué. Ceci étant dit, mais là, on parle de la police, évidemment, beaucoup de services publics, comme l'éducation nationale ou l'hôpital, les infirmières, subissent le même sort. Tu dis, la crasse, j'y trempe depuis plus de 25 ans. C'est l'essence même du métier de flic. Être les pieds dans la fange, les pieds dans la boue, les mains même dans la boue et je m'excuse mais dans la merde. La ligne, la société, c'est les termes que j'utilise. Ça a été mon quotidien pendant toutes ces années-là. Parce que le flic intervient au moment où le flic on ne veut pas le voir, mais quand on ne le voit pas, on déplore sa présence, son absence, pardon. Donc toujours plongé dans des saloperies, le terme que j'utilise. Mais est-ce qu'on est préparé à ça ? Est-ce que la formation de policier prépare ? Non. Non, la formation initiale du policier est uniquement théorique. Elle est un petit peu pratique aujourd'hui parce que c'est fait en alternance, mais ça reste quand même très théorique. On devient flic pas dans une école de police, on devient flic au contact des anciens, on devient flic au contact des situations qu'on va être à même de gérer. C'est ce qui fait le métier de flic. On apprend son métier en le pratiquant, comme beaucoup de métiers d'ailleurs. Mais évidemment, et sur le côté psychologique, puisque c'est l'objet de ce livre-là,
le côté psychologique, les policiers sont totalement désarmés en matière de psychologie. Et dans la formation, pour répondre à ta question, c'est une carence énorme, énorme. Il n'y a aucune structure psychologique, tant en amont, c'est-à-dire au niveau de l'école de police, lorsque le jeune arrive en école de police, que par la suite, durant sa carrière. Voilà, il n'y a aucun soutien psychologique, il n'y a évidemment pas de formation pour gérer ces situations-là. Et comme je l'écris, on range ça dans les tiroirs de son crâne, et petit à petit, les tiroirs forcément débordent. Tu dis aussi, la police fabrique des alcooliques, des dépressifs, des mythomanes. Pourquoi mythomanes ? Alors mythomanes, parce que j'ai beaucoup rencontré de flics qui... c'était le résultat évident de ce métier qui est excessivement difficile. Beaucoup de flics inventaient des carrières qu'ils n'avaient jamais faites. Ah oui. Oui. Alors pas la totalité, attention, hein, mais j'en ai rencontré pas mal, ouais, qui s'inventaient des carrières qu'ils n'avaient jamais faites ou des interpellations auxquelles ils n'avaient pas participé. Voilà, il y a un petit peu ce syndrome chez certains flics. Et puis, comme je l'ai dit, ça peut surprendre, pour rebondir sur le début de cette phrase que j'ai écrite, les alcooliques et les dépressifs, c'est aussi pour répondre au malaise, au mal-être du flic. On a aujourd'hui des chiffres, justement, de l'alcoolisme ou de la médication des policiers sous psychotropes, sous antidépresseurs, on a aujourd'hui des chiffres officiels ? Non, absolument pas. Le chiffre, moi, que je donne régulièrement, et il est basé sur mon unique expérience, il n'est pas vérifiable. Il n'est pas vérifiable, je dis bien, parce que l'administration centrale ne donnera pas ce chiffre-là. Mmh. Les fonctionnaires eux-mêmes ne déclareront pas qu'ils sont en dépression ou qu'ils sont sous antidépresseurs ou sur substance, comme je le dis, légal ou pas. Oui. Mais je peux dire aujourd'hui, entre 8 à 9 fonctionnaires sur 10 fonctionnent avec des substances, qu'elles soient légales ou pas. Alors quand je dis substances, comprenons-nous bien, je ne dis pas que tous les flics sont des alcooliques et des drogués, loin de là. Mais à minima, ça va être un petit produit pour un ulcère à l'estomac qui est engendré par le stress. Et puis on va vers des déviances qui sont parfois des produits stupéfiants ou évidemment des antidépresseurs ou des somnifères. Voilà. Mais qu'est-ce qui justement ne fonctionne pas dans la police par rapport à cet aspect-là où on reprend justement tout ce mal-être, ce malaise, c'est quoi qui ne fonctionne pas par rapport à ça ? Par rapport à ce côté psychologique, il y a deux paramètres. Le premier, c'est celui de le flic qui reste quand même assez, comment dirais-je, la fonction de flic reste assez, une fonction assez virile, je dirais, voilà, avec cette caricature du flic solide qui est à même de gérer l'ensemble des situations difficiles, extrêmement difficiles, périlleuses. Et le côté de l'atteinte psychologique du fonctionnaire qui reste tabou, un énorme tabou au sein de la police. Parce que déclarer aujourd'hui, et comme je le dis dans ce livre-là, avoir le courage de déclarer ses faiblesses, de dire voilà, moi ce que j'ai pu plus supporter tout ça, reste quelque chose de tabou. Pourquoi ? Parce qu'un fonctionnaire qui aurait aujourd'hui, et ça a été mon cas avant que je quitte l'institution, lorsque j'ai reconnu que j'en avais ras-le-bol, on m'a catégorisé, classé dans une catégorie donc de dépressif, personne sur laquelle on ne pouvait plus compter. Voilà. Et le flic a énormément peur de ça, évidemment. Il est désarmé, il serait placé dans un centre pour se soigner et mis à l'index, évidemment, et même mis au pilori. Voilà. Il y a ce côté hypocrite de la profession par rapport à ce malaise psychologique. Les policiers eux-mêmes, rares sont les policiers qui aujourd'hui reconnaissent. Alors moi, avec l'écriture de ce livre, j'en ai rencontré beaucoup qui m'ont dit en aparté, pas devant les autres, mais qui me disaient, moi aussi je suis passé par là, ou moi aussi j'y suis en plein dedans, je lis ton livre, je me reconnais, voilà. Mais ça reste tabou de reconnaître ses faiblesses. Donc il y a ce côté-là. Et puis, si on le reconnaît, je me répète, si on reconnaît ses faiblesses, eh bien on est placé dans cette catégorie-là de flic dépressif et donc sur lequel on ne peut plus compter. Et donc voilà, ce côté tabou qui est évidemment très 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 présent. Alors avant d'arriver à ce glissement qui va amener évidemment à l'écriture de ce premier livre. Un événement important, c'est 2002, tu blesses pour la première fois un homme qui te menaçait.
Et tu dis, on est préparé à tirer, mais pas à supporter ce que cela fait. Absolument, oui. Alors, sans rentrer dans les détails du livre, pour laisser le lecteur le découvrir, c'est sur un vol à main armée, on tombe sur le flagrant délit, donc il y a un échange de coups de feu, et je blesse l'individu en lui transperçant les deux jambes. Ce que j'ai eu du mal à gérer, en fait, c'est pas, comme je le dis, le tir. Si la situation s'était reproduite quelques temps après, plus aujourd'hui, puis je suis plus en activité, mais j'aurais réagi de la même manière. Parce que j'ai eu une réaction très, très, très professionnelle. Néanmoins, un tir sur un individu, c'est évidemment pas anodin. Même lorsqu'on appartient à l'unité à laquelle j'appartenais, et c'est-à-dire une brigade anticriminalité, et l'ensemble, c'est-à-dire la gestion de la situation, le fait de se retrouver en situation de légitime défense, où on a un laps de temps qui est ridicule pour prendre une décision, qui peut être fatale. Et puis l'après qui a été une tape sur l'épaule, c'est bien Marc, t'as fait ton boulot. Mais c'est pas ce que j'attendais. Ce que j'attendais, c'est qu'on me dise « range ton arme, va te reposer ». Et ça, on me l'a pas dit. Le soir même, ça s'est passé en début de nuit, donc j'ai terminé ma nuit avec mon arme à la ceinture. La nuit d'après, j'étais encore là. Et la nuit d'après, toujours là, etc. etc. Pas une fois, on m'a dit « est-ce que cette situation t'a généré du stress ?» Un choc post-traumatique. Voilà, ce qui est évidemment, on va peut-être en parler, négligé au sein de la police, pas pris en considération. Pas une fois, voilà, on m'a dit « va te reposer, va en parler. » Voilà. Et tout ça, c'est excessivement difficile à vivre. Parce que voilà, le fait de se trouver en position de légitime défense, oui, étymologiquement la légitime défense, c'est-à-dire avoir le droit de tuer un individu ou d'être tué, oui, ça a été mon cas. Voilà. Cette situation-là est génératrice d'un stress énorme et de questions. Alors, peut-être que je me pose trop de questions, mais je pense pas. L'ensemble de mes collègues avec lesquels j'ai pu en parler auraient agi de la même manière que moi. Je me suis posé énormément de questions quant à cette situation à gérer. Voilà. Est-ce que finalement j'étais aussi... c'est peut-être une question que je m'étais pas posée avant, mais la situation m'a permis de me poser cette question-là. Est-ce que c'était légitime? Est-ce que ma place était légitime? Est-ce que qui étais-je pour juger en un instant de la vie de quelqu'un, enfin, de prendre une décision aussi difficile à prendre, voilà. Et bien que, hein, c'est paradoxal, si la situation s'était reproduite quelques temps après, j'aurais eu exactement la même décision et j'aurais fait exactement les mêmes gestes. Mais voilà, il y a ce questionnement-là qui est peut-être un peu ambigu dans mes propos, là, c'est difficile à comprendre, mais voilà, c'est tout plein de paramètres qui se greffent et qui sont très difficiles à gérer, oui. Donc là, on est en 2002, ce malaise va continuer de s'accentuer chez toi, ce malaise, ce mal-être. Tu te sens glisser vers une dépression? Je me sens glisser vers la dépression. Et donc ça ne réagit pas? Ça a été les mêmes déclencheurs. Je ne réagis pas. Moi, personnellement, non. Mais je sens évidemment que je ne suis pas dans mon état normal. Je commence à avoir des réactions un petit peu plus agressives. Mais je suis pas bien. La police le remarque, ça? Non, c'est ce que j'ai dit par la suite. La hiérarchie ne le remarque pas? Non, absolument pas. Tes collègues ne le remarquent pas? Non. Ta famille le remarque? Mon épouse, oui. Oui. Mon épouse le ressentait. C'était la seule. C'était la seule. Moi, évidemment aussi, mais moi, je ne le reconnaissais pas. Je ne me l'avouais pas, voilà. Je rebondis sur ce que je disais précédemment, hein, parce que si je l'avais déclaré, on m'aurait retiré de cette unité-là, qui était l'unité dans laquelle j'avais toujours souhaité travailler. Et petit à petit, voilà, je me sens glissé pour répondre à ta question, mais je me sens lentement glisser. Alors je sais pas où je vais en arriver et le lecteur découvrira jusqu'où je suis allé. Lentement je me sens glisser, oui. Voilà. Donc il va se passer un jour de Saint-Valentin. C'est ça, le 14 février. 2011. Tu décides d'en finir. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors, la décision n'était pas aussi évidente que ça, c'est-à-dire que j'ai pas souvenir d'avoir en tête à ce moment-là de mettre fin à mes jours. Néanmoins, c'est la direction que je prenais et que j'ai failli prendre. Mais c'était, et je l'écris, un mélange de plein de choses dans ma tête, hein, mon crâne qui ne cessait de qui était en ébullition. Voilà. Donc un raisonnement totalement incohérent. Donc je suis seul à mon domicile et comme tous les flics, avec mon arme de service, avec moi. Et je me suis installé sur un prie-Dieu.
un prie-dieu qu'on a encore à la maison, une petite chaise de bois donc au milieu de la pièce centrale. Et j'ai manipulé mon arme sans réellement savoir ce que j'allais en faire, mais tout en sachant ce que je voulais en faire. Voilà, ça aussi c'est plein de paradoxes, mais c'était arrêter d'avoir mal, c'est tout à fait ça. Ouais. Ça voilà. Arrêter de souffrir et de plus comprendre, ce que je faisais. J'ai eu à ce moment-là une énorme perte d'identité professionnelle. Enfin, précédemment, donc je ne savais plus où me situer professionnellement, je ne savais plus pourquoi j'étais là, le bien fondé de ma mission, est-ce que j'avais bien fait, est-ce que j'avais mal fait. J'ai toujours été omnubilé et motivé par le service public. Donc je me demandais s'il y avait d'autres choses certainement qu'on va évoquer, une politique qui était en train de changer aussi, qui a transformé mon métier. Et donc j'avais perdu complètement pied et mon identité professionnelle, qui était importante. Quelque chose qui est important certainement pour tout le monde. Donc voilà, je me suis. Alors maintenant, j'en parle avec de l'émotion, certes, mais c'est la plus grosse bêtise de ma vie, évidemment. Mais à ce moment-là, je ne voyais pas d'autre issue. C'est la seule solution. C'était l'unique. Et c'est pas parler à ta femme et lui dire voilà, j'étais arrivé à un stade où je ne pouvais plus parler. D'accord. Voilà. Je pense que les gens qui malheureusement en arrivent là, pour quelque motif que ce soit, mais dans le cadre d'un burn-out professionnel, arrivent à. Ben voilà, ça reste la seule porte de sortie. Mm-hmm. Et c'était comme ça que je le concevais. Ouais. Ta femme rentre avant du. Prématurément, travail. Ouais. Et te découvre avec cette arme et me découvre donc installée sur ma petite chaise avec mon arme à la main. Elle savait très bien que mon arme, je la trimballais à la ceinture depuis des années, c'est pas quelque chose avec. C'était pas un jouet. Et quand je rentrais à la maison, elle était rangée pour pas que les enfants y aient accès. Donc elle est. Alors je l'ai plus dans la bouche au moment où j'entends les clés et je le raconte, au moment où elle place les clés dans la serrure, mais je l'ai encore à la main et donc elle rentre, elle est dans mon dos et elle a très bien compris ce que je m'apprêtais à faire. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là précisément? À ce moment-là, ça a été le déclencheur d'un renouveau. Paradoxalement, une prise de conscience énorme avec évidemment un gros moment d'émotion. Ma femme a envoyé les gosses dans la chambre et un gros moment de retrouvailles. Et là, en fait, ça a engendré beaucoup d'émotions, des pleurs, des larmes. Et là, j'ai pu parler, enfin. D'accord. J'ai commencé à parler à ce moment-là. Tu te fais accompagner par un psychiatre. Oui. Ben justement, voilà. Peu de temps avant que je passe à l'acte. Oui. J'en souris aujourd'hui, mais c'est dramatique. Ouais, c'est pour mes collègues qui restent aujourd'hui, voilà, je fais donc appel au psychologue du ce qu'on appelle la région, la région de la police, le SGAP. Il y en a un par région, et je fais appel à ce psychologue-là. Ouais. Je lui laisse un message sur son répondeur, déjà il n'est pas joignable, et c'est le message que je laisse, c'est quelque chose qui a dû glacer le sang de celui qui l'a écouté, donc de ce psychologue-là, un message de désespoir. Voilà. Et je n'ai été rappelé que. Un mois et demi après. Ouais. Voilà. Au moment où je suis réellement au plus mal et je m'apprête à passer à l'acte. Alors je jette pas la pierre à ce praticien, loin de là. Néanmoins, ça montre à quel point les structures psychologiques au sein de l'institution policière sont réduites à leur plus simple expression. Et j'ai souvent utilisé ce mot-là, le sont embryonnaires. Tu vas rester combien de temps en arrêt? Je suis resté presque 6 mois. D'accord. Presque 6 mois en arrêt, sous antidépresseur, sous somnifère, sous anxiolytique. Et comment on a l'envie de reprendre son poste? Est-ce que c'est quelque chose? À ce moment-là, et ma femme est mieux placée que moi pour le dire, elle avait compris que c'était terminé. La belle histoire que j'avais eue avec la police, oui. À ce moment-là, avait pris fin. Mais je n'osais encore pas me l'avouer. Et puis j'ai repris, mais je n'avais plus le poste que j'avais. Oui. On m'a mis dans un, comme on dit dans la police, dans un placard. En attendant que je prenne cette décision qui était inéluctable pour moi de démissionner. D'accord. Mais tu vas rentrer et tu vas vivre une seconde trahison. Puisqu'en fait, tu t'aperçois que ta note est dégradée. La double peine. Voilà. Abandon de poste. La double peine, tout à fait. Voilà. On a, comme chaque fonctionnaire, et moi qui étais en attente d'une promotion, je dis ça parce que la promotion est
et obtenu aussi en fonction de la notation, je suis donc j'ai la double sanction. Je suis sanctionné pour avoir été malade. Je suis sanctionné pour avoir fait un burn-out, une dépression. Oui. Donc un surinvestissement professionnel, c'est ça le burn-out, la définition. Oui. Le surinvestissement professionnel a été sanctionné par une baisse de ma notation avec des appréciations, comme tu le dis, d'abandon de poste. D'abandon de poste. Voilà. Et ça, comment on le vit? On a envie d'en... C'est ce que j'en souris aujourd'hui, parce que je mesure la bêtise des gens qui ont écrit ça sur ma notation, sachant que c'était des gens avec lesquels j'avais travaillé plusieurs années et qui connaissaient, au risque de paraître prétentieux, ma compétence, mon engouement, mon amour de mon métier. Et comment on peut juger un fonctionnaire avec lequel on a tant travaillé et sur lequel on a tant compté aussi radicalement. Voilà. C'est ce qui m'a fait pas le plus de mal, parce qu'évidemment j'étais passé par quelque chose de beaucoup plus dramatique, mais c'est quelque chose qui m'a profondément blessé. Aujourd'hui j'en souris parce que voilà, ça me permet de mesurer. Et tu vas avoir à ce moment-là des mots extrêmement durs contre l'institution, et tu parles souvent de cette institution, tu dis la police, cette salope, cette garce. Elle m'a trompé, elle m'a dupé. Voilà. Voilà. Je n'aurais jamais cru qu'elle me laisse tomber. On ressent presque autant de haine que d'amour que tu as pu avoir pour cette institution. La haine était proportionnée, inversement proportionnée à l'amour que j'ai pu avoir de cette profession-là. Ouais. Ouais, ouais. Alors pourquoi ces mots-là, qui sont évidemment d'une brutalité, d'une violence terrible, et parce que simplement j'ai aimé ce métier-là comme on peut aimer une maîtresse. Je dis bien une maîtresse, avec ce petit côté interdit, avec errer des nuits entières dans une voiture cabossée, je le décris bien. J'adorais ça. C'est un métier extraordinaire. Et j'avais une passion pour ce métier-là. Donc, l'amour passionné, je me suis senti, comme on peut l'être avec une femme, trompé. C'est pour ça que j'ai utilisé ces termes-là. D'accord. Voilà. Trompé par une maîtresse que j'ai aimée plus que tout. Voilà. Salope, je le répète, pour ces raisons-là. D'accord. On va te retrouver ensuite dans des bureaux, l'état-major de la DDSP. Je ne sais pas ce que je fais là. Oui. Je ne comprends pas bien ce que je fais là. C'est étonnant de voir un peu. On se dit, voilà, quelqu'un qui est passé de... Complètement, d'une activité extrêmement débordante, passionnante, et là, tu vas t'occuper des victimes. Je m'occupe, alors, très rapidement, c'est-à-dire que je ne reste pas longtemps sur le poste. Je m'occupe des victimes. Des victimes, et notamment des femmes victimes de violences conjugales. D'accord. Et donc, tu vas y rester combien de temps Pas longtemps, parce que j'ai été blessé, et donc ensuite, après ma blessure, j'ai pas repris du service. D'accord. J'ai démissionné. Alors, tu dis aujourd'hui, la police n'est plus capable d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Ça fait très peur. Ça fait très peur, je peux le comprendre. Oui, je peux le comprendre. Néanmoins, il faudrait peut-être plus de temps que ce que tu m'accordes, et je t'en remercie, mais pour réellement expliquer le fonctionnement de l'institution aujourd'hui. Malheureusement, et je le déplore, la police est devenue un enjeu électoral. Les deux personnages qui ont compté ces 12 dernières années, à savoir M. Sarkozy et par la suite M. Valls, tant comme président de la République, M. Sarkozy, que durant les années où il a été ministre de l'Intérieur, et puis Valls, au temps où il a été ministre de l'Intérieur, mais aussi comme Premier ministre, puisque c'est quand même lui le chef du gouvernement, ont fait de la police le faire-valoir d'une politique, et l'ont utilisé à des fins uniquement électorales. Malheureusement, l'ensemble du service public, hein, j'y reviens, l'ensemble des services publics, l'hôpital, l'éducation, paient aussi malheureusement les conséquences de cette politique-là. Donc aujourd'hui, la police est totalement démunie, désarmée, pour faire face à cette montée de violence et de délinquance. Et moi qui suis à Marseille et qui exerçais à Marseille, ville assez violente, très violente même, la police n'est plus à même, dans ses structures, dans son fonctionnement, de faire face à cette délinquance. On parle de politique du chiffre, qui est entre autres une des raisons pour laquelle la police ne va plus bien aujourd'hui. C'est une des raisons, et c'est peut-être même l'unique raison. Unique raison. Parce qu'on parle souvent du manque d'effectifs, oui. Mais le manque d'effectifs peut être pallié par l'engouement et la passion que peuvent avoir les policiers pour leur métier. Bien qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est en train de changer, parce qu'on les fait travailler tellement dans des conditions difficiles qu'ils aiment de moins en moins leur métier, je les comprends. La politique du chiffre, et je le dis bien, et c'est un mot très violent que je vais utiliser,
c'est le cancer de la police aujourd'hui. C'est le cancer de la police. On fait fonctionner aujourd'hui l'institution policière comme on fait fonctionner une entreprise privée avec une recherche donc de capitaux, de recherche de profits. Donc forcément, le service public n'est plus rendu et les fonctionnaires ne comprennent plus. Et ça a été aussi l'un des motifs qui m'a savonné la planche sur laquelle je glissais. On a dénaturé le métier que j'aimais, on a dénaturé le service public. Alors, c'est pas la faute des collègues, bien qu'ils y contribuent. Hein. On peut mettre en cause un système sans oublier que le système est fait par des hommes. Il y a cette politique qui a été mise en place, comme je le dis, à des fins électorales et qui a été mise en place par le précédent gouvernement. On a rapidement compris que s'occuper de sécurité, la sécurité, ben on n'arrivait pas, on ne va pas rentrer dans la politique pour pas déplaire peut-être aux téléspectateurs, mais on a rapidement compris qu'en matière d'économie, ben, c'était très difficile de résoudre les problèmes. Donc il y avait un deuxième problème qui obnubilait les Français, c'était leur sécurité. Donc on a compris qu'en parlant de sécurité, en disant tout et n'importe quoi, on allait s'attirer des voix et des faveurs de l'électorat. Et malheureusement, le résultat aujourd'hui, il en est là, c'est que la police a été sacrifiée, je le dis, sur l'autel des ambitions de certains hommes politiques. Tu parles dans le second ouvrage, donc Un mauvais flic, lettre ouverte à Manuel Valls, tu parles d'une anecdote justement de cette politique du chiffre où on tronque justement les chiffres de la délinquance, comment placer un innocent en garde à vue. Bien sûr. Quelque chose qui est très choquant, c'est cette histoire de cet homme là qui est dépressif, sa femme l'a quitté. Il est ivre dans son véhicule. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est malheureusement vrai. Donc il est ivre dans son véhicule et il s'est endormi sur la banquette arrière, bien le préciser. Oui. Et les fonctionnaires qui le découvrent sur ce parking de supermarché, voient dans cette affaire-là la possibilité de faire ce que l'on appelle dans le jargon policier un bâton. Puisque la deuxième maladie, je disais c'est le cancer, mais c'est la bâtonnite, c'est-à-dire c'est faire du bâton, faire de l'interpellation ou de la contravention. Il est facile de transformer, de faire changer la position à ce monsieur, c'est-à-dire il n'était pas sur la banquette arrière, il était au volant. Et on présente l'affaire comme ça à l'officier de police judiciaire et on le met en garde à vue pour conduite en état d'ivresse. Avec toutes les conséquences qui évidemment se mettent en marche par la suite, la grosse sanction, le retrait de permis, la grosse amende alors qu'il est déjà dans des emmerdes jusqu'au cou, on enfonce un peu plus le clou uniquement pour faire ce bâton-là. Et ça c'est quelque chose que j'ai réellement vécu. Et ça c'est quotidien? Pas que j'ai fait, je tiens bien à préciser que j'ai vécu. Ouais. C'est malheureusement quotidien. Ouais. C'est malheureusement quotidien. Aujourd'hui, je le répète, la police, on veut la faire fonctionner ainsi, ne fonctionne uniquement sur les résultats, les objectifs, comme malheureusement une entreprise privée. C'est peut-être normal, après on ne va pas rentrer dans les modes de fonctionnement de la société, mais une société a pour but de vendre toujours plus que l'année précédente, pas le service public, et surtout pas un service public comme celui-là où il travaille sur de l'humain. Voilà, les hommes interpellés, les hommes et les femmes interpellés, les hommes et les femmes verbalisés aujourd'hui ne sont que des petits bâtons dans des cases. Et voilà, c'est la course aux chiffres, la course aux chiffres. Alors justement, toi qui es de Marseille, qui a travaillé dans les quartiers sensibles de Marseille, on se pose, nous, la question, quand on voit la télévision, les règlements de compte, le dérapage de la BAC nord de Marseille, et pourquoi on se pose souvent la question, pourquoi la police a à ce point délaissé les quartiers sensibles? Parce que... Alors c'est vrai qu'à Marseille, et puisqu'on parle peut-être de Marseille, on ne va pas parler que de Marseille, mais Marseille, il y a un retard, et notamment dans les quartiers noirs, un retard qui a été pris depuis une trentaine d'années. Une politique locale associée à une politique nationale, qui ont totalement délaissé ces quartiers-là, où vivent plusieurs milliers d'habitants. On les a totalement délaissés pour plusieurs raisons, qui sont des raisons économiques, qui sont des raisons électorales aussi. Alors, la police n'a été que un des maillons de cette chaîne d'abandon, je dirais, parce que les associations ont fui ces quartiers-là. Les structures sportives n'existent plus. L'ensemble des services publics, la poste ou d'autres services publics ont aussi abandonné. On a pensé
à tort, ces 12 dernières années, et malheureusement ça continue aujourd'hui, que la police, par une présence permanente dans ces quartiers-là, c'est-à-dire avec des postes de police de quartier, avec des policiers à pied dans les quartiers, on a pensé que c'était pas assez rentable. Donc on a préféré faire une police répressive, uniquement répressive. Et j'ai fait de la police répressive moi aussi, mais la répression n'est efficace que si en amont il y a de la prévention, et la prévention n'est efficace que s'il y a de la répression. C'est un, c'est une alchimie qui doit se faire entre ces deux pôles. Et aujourd'hui, en ne faisant que de la répression, on envoie donc des gens casqués et armés de matraques et de boucliers dans ces quartiers-là pour essayer de réprimer des infractions qu'ils ne savent pas faire parce que ça n'est pas leur métier. C'est-à-dire que c'est pas le métier des CRS d'interpeller des gens qui font du trafic de drogue. C'est pas du tout le même mode de fonctionnement, le même travail. Voilà, on a jugé simplement que c'était plus rentable. Et c'est énorme d'utiliser ce mot-là dans un service public, rentabilité. Donc voilà pourquoi la police a déserté ces quartiers-là aussi. Depuis, tu as quitté la police. Oui. Est-ce qu'il y a des regrets aujourd'hui ? Aucun. 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 Aucun regret. Je suis quelqu'un, comme je le disais au début de l'interview, de radical et de pas modéré. L'amour que j'ai eu avec la police s'est étiolé pour se terminer, et c'est comme dans un couple, l'histoire d'amour était terminée, je suis passé à autre chose aujourd'hui. Tu aurais pu te mettre en disponibilité, non. Réfléchir, non. Non. C'était plus possible. C'était terminé. Alors, on m'a dit, il y a le côté matériel aussi, il ne faut pas le négliger. Mon salaire était convenable, était même très bien. J'ai abandonné radicalement ce salaire-là, cette condition financière. Mais ce n'est pas un paramètre qui aurait pu influencer cette décision-là. Évidemment, j'ai pris cette décision-là en y réfléchissant, ce n'est pas un coup de tête. Et au-delà de cela, je vais même dire que, sans prétention aucune, ma démission est un acte citoyen. Je l'ai dit dernièrement à des confrères, à toi, ma démission est un acte citoyen, j'ai refusé d'être l'artisan de cette politique. Voilà. Ne pouvant plus assurer mon métier comme on devait le faire, j'ai préféré le quitter. Et pourtant, d'autres continuent aujourd'hui et... D'autres continuent, on n'est pas tous faits de la même manière, et certains ont des impératifs peut-être que je n'ai pas, ou le caractère, on n'est pas fait de la même manière, je ne jette pas la pierre. Ça correspondait plus à l'idée que je me faisais de ce métier-là. Parce que il faut bien préciser quelque chose, ça n'a jamais été pour moi un métier, c'était avant tout une passion. Ouais. Vocation, sacerdoce. Ah oui, tout à fait, presque. Ouais. C'est-à-dire que je serais allé travailler. Et notamment lorsque j'étais à la BAC, ou lorsque je le décris bien dans mon livre, enfin je pense bien, lorsque je errais durant toutes ces nuits dans cette voiture déglinguée, à la recherche du voyou, voilà, ça c'est quelque chose qui m'a... Alors j'ai des souvenirs plein la tête pour écrire, et ça c'est génial. L'histoire d'amour c'est terminé de cette manière-là. Ça a failli se terminer plus violemment que cela. Ça a permis aujourd'hui de renaître. C'est une renaissance personnelle, professionnelle. Je n'ai, pour répondre à ta question, aucun regret. Non. Donc tu as donc écrit ce second livre, Un mauvais flic, donc Lettre ouverte à Manuel Valls. Pourquoi Manuel Valls? Parce que lorsque je l'ai écrit, Manuel Valls était encore ministre de l'Intérieur, et parce que je l'ai rencontré à deux reprises durant les promotions de ces deux livres. Une première fois sur un plateau de télévision, en octobre 2012, et la deuxième fois, donc c'est l'objet du premier chapitre du deuxième livre, où je le rencontre à Marseille, où je suis invité par le journal local. Lui, il est là pour une visite de terrain, c'est ça ? Il est là pour une visite de terrain, et donc il doit rencontrer plusieurs intervenants marseillais, et moi je suis invité par une journaliste pour lui poser... une ou deux questions. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, ça se passerait mal. Autant la première rencontre était très courtoise, il y avait les caméras de télévision, c'était très courtois, et
ça a été très émouvant pour moi, et d'autant plus elle était difficile, cette première rencontre, parce que j'étais encore en activité. Et je le dis pour voilà, c'était même exceptionnel, c'était même exceptionnel et voire même impossible. Il faut peut-être préciser pour le directement. Normalement, il faut s'adresser par la voie hiérarchique, que c'est tout un cérémonial, et de s'adresser aussi directement. C'est formidable. Voilà. C'est formidable. C'est quelque chose dont j'avais rêvé, mais c'était de l'ordre de l'utopie, voire même surréalisme. Et là, ça m'est offert par une grande chaîne de télé, et je le rencontre donc sur le plateau de télé. Un entretien formidable, j'ai l'occasion de lui dire ce que je pense. Mais voilà, ça se passe plutôt pas mal. Oui. C'est la seconde fois où ça se passe. La deuxième fois, ça se passe plutôt mal. Ouais, plutôt mal. Ouais. Plutôt mal parce que je sais très bien que la question que je vais lui poser ne peut pas avoir de réponse. Je le sais, c'est mon but aussi, mais je veux quand même. Pourquoi c'est ton but ? Parce que je veux réellement lui dire ce qui se passe en bas. Parce que malheureusement, l'ensemble de ses ministres, et Valls également, ne savent pas ce qui se passe en bas, très bas. Pourquoi tu veux justement te faire porte-parole d'une corporation ? On m'a jamais rien demandé, on m'a pas demandé d'être porte-parole. J'ai été simplement, j'ai eu la possibilité, je pense, à travers mes livres, à travers d'être médiatisé et de pouvoir porter la parole directement au ministre. On m'a jamais rien demandé, je me prétends pas être encore aujourd'hui le porte-parole de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Néanmoins, c'était pour moi une évidence de lui dire ce qui se passait. J'étais pas un porte-drapeau, j'étais pas un porte-parole, non, mais j'étais là, j'ai eu l'opportunité, alors que l'ensemble de mes collègues, eux, dans la majorité, pensent la même chose que moi, n'avaient pas la possibilité de le dire. Moi, j'ai eu cette possibilité-là, grâce aux médias, et je les en remercie, et je te remercie de ton invitation d'aujourd'hui. Voilà, j'ai eu cette possibilité-là. Donc, ça a été, et ça l'est encore formidable à travers les livres, et notamment cette lettre que je lui ai faite. Et donc là, ça se passe très mal. La deuxième fois, ça se passe très mal. Oui. Donc j'ai une question que je détaille dans le livre où je lui mets réellement, pour pas utiliser l'expression triviale, je mets les points sur les i et les barres sur les t, à ce qui concerne l'état de la police à Marseille, puisqu'on était là pour parler de Marseille. Sa visite était pour voir Marseille et parler de Marseille. Donc je lui mets les points sur les i. Voilà. Et là, je n'ai eu un guise de réponse qu'une colère, à mon sens scénarisée, c'est-à-dire même préparée, parce qu'il savait que j'étais là, son staff avait tenté de m'évincer de la liste des invités, et je dois mon maintien à cette journaliste que je remercie, qui a fait le forcing pour que je sois là. Donc, je pense qu'il avait un petit peu scénarisé sa colère. Et ça a été vraiment vraiment une colère. J'ai pas eu de réponse. Ma question n'en avait pas. Je laisse le lecteur la découvrir. Elle aurait pu en avoir une, ceci étant dit. Mais j'ai pensé que il aurait suffisamment de talent pour peut-être me recadrer de manière ironique ou de manière un petit peu sévère, mais pas comme il l'a fait là. Là, il a fait preuve de son autorité, avec un geste de dédain, et voilà, là, j'ai été assez marqué par cet entretien-là, parce que, alors, j'ai payé peut-être aussi l'année de médiatisation et durant lesquelles chacune de mes interventions où je développais ce qu'on est en train de développer ici, ça a été le point final de ma polémique, enfin, pas le point final, mais voilà, ça s'est très mal passé. Ouais. Alors, tu me disais ce matin, en préambule de cette émission, un troisième ouvrage. Oui, je viens de le terminer. Je vais le proposer donc à mon éditeur. Oui. Alors, c'est un livre qui va ressembler au premier, sans faire de polémique, mais c'est une intrusion dans mon crâne, une intrusion dans un crâne policier, pour essayer de. Je fais un petit peu un parallèle entre la police de l'époque, et pourtant c'est pas vieux, c'est pas vieux, j'ai quitté la BAC il y a à peine une dizaine d'années, donc c'est hier, c'est pas plus... et je parle notamment de ces années de BAC, où on avait des méthodes et des façons de travailler, qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Je fais un peu le parallèle avec l'ancienne, entre guillemets, et la nouvelle police, voilà. Je raconte tout ça et j'essaie de faire entrer le lecteur dans mon crâne pour comprendre. Moins polémique. Oui, pas polémique du tout. Pas polémique du tout. Je raconte simplement. Alors je dévoile des choses qui vont surprendre certainement le lecteur, mais qui sont, comme tout ce que j'écris, vraies.
je raconte notre façon de travailler à l'époque dans cette circonscription très difficile donc de Vitrolles, hein, puisque j'étais à la BAC de Vitrolles la nuit, où on était confronté toutes les nuits à une violence, une délinquance très 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 violente, très structurée, organisée, à laquelle nous faisions face avec les moyens du bord, voilà, avec un impératif que nous étions fixés, c'est-à-dire d'interpeller, sans moyens, sans matériel, sans voilà, du bricolage. Et je cite en préambule de ce livre, je te rends la parole après, je m'excuse, je cite une phrase extraite d'un film Adieu Poulet, qui date de 1975, dont les choses étaient avec Patrick Devers et Lino Ventura, où Lino Ventura, s'adressant à un juge d'instruction, lui dit un jour, il faudra que je vous raconte tout ce que j'ai été obligé d'inventer pour faire mon métier convenablement. Voilà, ça laisse un peu... Qu'est-ce qui, selon toi, justement, tu parles de films, on voit toutes ces séries policières, oui, sur toutes les chaînes. Qu'est-ce qui, selon toi, suscite un si grand intérêt? C'est quoi? C'est la police, c'est la police. Le héros, c'est le côté... Non, c'est non, la police, ce métier-là qui fascine. Qui fascine au sens propre du terme le citoyen et l'ensemble de la population. Le métier de flic est fascinant, il est formidable. Aujourd'hui, il est hyper compliqué et hyper difficile pour ceux qui restent en activité. Et je leur tire mon chapeau parce que finalement, on a dit que ma démission était courageuse. Moi, je dis que les plus courageux, ce sont ceux qui restent aujourd'hui. Donc, c'est simplement le résultat du besoin des gens, de l'envie de voir une belle enquête policière ou de voir de l'action. Alors, certaines séries sont plus ou moins réalistes, mais quand elles sont bonnes et réalistes, moi-même, je suis assez passionné de bonnes séries. Donc, justement, c'est un moyen pour moi de rebondir un peu sur cette actualité. Donc voilà. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ça? Alors, je suis heureux que tu m'amènes sur ce sujet-là, et je t'en remercie. Je suis le concepteur d'une série, c'est-à-dire j'ai eu une idée de série télé à laquelle j'ai associé mon ami et mon co-scénariste Christophe Gava, qu'on avait également reçu il y a quelques mois de ça. Voilà. On est donc Christophe Gava, pour la petite histoire, ancien patron de la PJ de Grenoble. La Ferneret, un dommage collatéral, on va dire, de la Ferneret. Quelqu'un qui a aussi beaucoup souffert de ce que lui a infligé la police. Mais je suis pas là pour. Il est assez grand pour parler de lui, c'est pas à moi le faire. Donc je suis le concepteur d'une série, on va l'écrire ensemble, et on a, aujourd'hui je peux le dire, avec Christophe Gavin, voilà, on a vendu les droits à un producteur parisien. Le producteur, comme tout producteur, est en recherche de financement, en recherche de diffuseur, ça devrait se faire. Voilà, les contrats sont signés. Deux, trois mots sur cette série. C'est une série évidemment donc policière qui va se dérouler à Marseille. Marseille devrait être et serait, je préfère utiliser le conditionnel par superstition, serait un des acteurs principaux de la série. Marseille avec sa beauté, ses lumières, mais aussi ses spécificités, tant sur le plan policier que politique. Politique, sans rentrer dans les détails, mais voilà, les spécificités marseillaises, voilà. La ville de Marseille avec ce chaudron bouillonnant qui est pour moi une source intarissable, une alchimie entre la police, entre les cités, entre ce qui reste de ce qu'on appelait jadis la mafia, voilà, et ça va être l'histoire d'une BAC. On pourrait dire aussi que c'est un moyen pour toi de rester en contact avec cette police. Je la lâcherai pas aujourd'hui, j'ai pas le même regard, j'ai pas les mêmes attitudes, mais évidemment quand on a aimé quelqu'un comme cela, c'est comme un couple, comme je le disais tout à l'heure, quand on a eu un enfant avec quelqu'un, on peut se séparer mais on garde quand même une certaine tendresse ou une relation, voilà, je pense que c'est un petit peu la même chose, et je compare souvent la relation que j'ai aujourd'hui avec la police, qui est un métier qui m'a profondément marqué, et je le dis dans le deuxième livre, jusqu'à ma mort on dira que j'ai été flic. Je suis fier de ça, oui, je suis fier de ça. C'est cette police-là aujourd'hui qui ne me convient pas. Donc c'est un moyen évidemment pour ne pas couper le cordon, on va dire, mais je ne le couperai pas le cordon, je ne le couperai pas. J'écris encore plein de choses et de scénarios et de livres. Et là je me lance dans le roman, policier évidemment, j'ai des millions de choses à écrire. Aujourd'hui, il y a peut-être des jeunes qui viennent de passer leur bac, qui ont envie de s'engager dans la police.
qu'est-ce que tu pourrais transmettre comme message? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Alors aujourd'hui, je vais le dire avec le sourire, alors qu'il y a encore quelques mois, je le disais gravement. Je leur dirai, passez votre chemin et allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. Oui. Parce que c'est un métier qui est dévastateur. Dévastateur de celui qui va l'aimer, comme ça a été mon cas, comme je vois autour de moi, parce que malgré tout, je reste encore. Et ça reste parfois difficile à gérer, mais je suis encore une éponge, je vais dire, pour beaucoup de fonctionnaires de police en activité qui ont des contacts avec moi par téléphone ou par mail ou par des réseaux sociaux, qui me font part de leurs témoignages. Et aujourd'hui, je ne suis en relation qu'avec des flics cabossés, des flics abîmés par leur métier. Et aujourd'hui, être flic, c'est faire le sale boulot, c'est se faire cracher à la gueule, se faire insulter sans avoir de moyens réels de répondre. C'est extrêmement compliqué, et c'est un métier, je le dis, qui aujourd'hui malheureusement ne donne plus les satisfactions que moi j'ai pu avoir, sauf à la fin évidemment. Outre les saloperies, comme je le dis, l'ensemble des situations que je détaille dans le premier livre, où on est confronté à la misère, la violence permanente, et ça c'est excessivement difficile. Il y a tout un côté aujourd'hui de fonctionnement de l'institution, fonctionnement de l'administration, qui est extrêmement difficile à gérer pour le fonctionnaire, notamment le fonctionnaire de base, et le fonctionnaire qui aurait, je dirais, le malheur d'aimer ce métier-là, voilà, parce que c'est aujourd'hui une maîtresse qui ne lui rendrait pas, comme elle ne me l'a pas rendu à moi, comme elle ne l'aura pas rendu à d'autres. Et on revient sur Christophe, en l'occurrence, et ça a été un flic formidable, et malheureusement, il a pris en pleine gueule, des choses, je ne veux pas m'étaler sur son affaire. C'est un métier qui est destructeur, malheureusement, alors je vais être très méchant, très violent, des policiers, mais malheureusement aujourd'hui aussi de la société. Aujourd'hui de la société, c'est grave ce que je dis, je mesure. C'est pas justement le reflet quelque part de la société. Ce dont tu parles pour la police, on pourrait faire le parallèle également avec l'éducation nationale. Certes, mais je ne m'y résignerai pas. Oui. Je ne me résigne pas à cette société aujourd'hui qui a fait une croix sur le service public, et je ne me résignerai pas à ce manque d'humanisme dont on doit faire preuve et dont je ne fais pas preuve, et c'est aussi l'une des raisons de ma démission. C'est un métier où il faut être à l'écoute, c'est un métier où on peut faire de la répression, mais il faut être à l'écoute aussi. C'est un métier, comment dirais-je, c'est pas un métier, c'est une des pierres angulaires de la société. Voilà. Et aujourd'hui, on l'a cabossé, ce métier, on l'a déformé, on l'a tordu, on l'a abîmé. Et malheureusement, aujourd'hui, donc, pour terminer, je dirais aux jeunes flics, enfin aux jeunes candidats, va voir ailleurs. Alors, on va devoir se quitter puisque les lecteurs t'attendent au magasin Culture et Loisirs à Aubenas, où tu es venu aujourd'hui. En tout cas, un grand merci, Marc. C'est moi qui te remercie. D'avoir accepté de répondre aux questions de Drummer DHTV. Et puis, pour la sortie du troisième livre, évidemment, tu es le bienvenu. C'est gentil. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera à nouveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.